Nicole. Oh mon Dieu, papa, il faut que je t'explique. Quoi, le voleur de voiture? Non, mais il faut que je te dise. Bonjour, Nicole. Ton père? Oui. Ah, mes respects, monsieur Ferguson, Christophe Boiselier. Comme qu'est-ce que vous dites? Bon, ben, on se verra plus tard, nous sommes très très bons. Monsieur Ferguson, mes parents souhaiteraient faire votre connaissance. Si vous le permettez une seconde, je vais les chercher. Enfin, mais pourquoi ce godeluron m'appelle-t-il Ferguson? Ben, je ne sais pas, papa. Oh, si tu m'aimes, joue, sinon je suis perdue. De quoi? Tu as un yacht, nous sommes milliardaires. Excuse-moi. Oh, je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie, gaffe pas. André Hugues Boisselier. Enchanté, monsieur. Ma femme. Mes hommages, madame. Pardon. Archibald Ferguson, mon père. Je vois que c'est à juste à titre que les enfants pensent le plus grand bien de votre fille, monsieur Ferguson. Oh, elle est adorable, positivement. Parfois un peu turbulente, mais très secrète aussi. Eh, mon cher Ferguson, puisqu'il est de fait que nos descendants sympathisent et forment groupe, et qu'attendons-nous pour les imiter? Êtes-vous libre demain? Eh bien, écoutez, oui, c'est mon jour de repos. Non, je veux dire, je ne vais point au golf, je récupère. Nous organisons une petite partie entre nous, les intimes et les enfants. Ah. Accepteriez-vous d'être des nôtres? Monsieur Ferguson, je me permets d'insister. Mais nous insistons tous! Si vous vous dérobez, nous vous boudons à jamais! Père sera ravi, et moi folle de joie. N'est-ce pas, papa? Oui. Non, je vous explique. Vous allez voir comme c'est bête, c'est mon smoking. Papa veut dire le dernier, celui qu'il s'est fait faire à Honolulu. Il ne les porte jamais plus d'une fois. Mais rassurez-vous, il n'est pas question de cela. Surtout pas de cérémonie, nous sommes en vacances. Be relax and be happy. Alors, vous dites? Be happy. Alors, c'est dit, je compte sur vous demain 5h. À demain. À demain. Voilà. Ouais. Mais j'y songe, cher ami. Vous allez vous perdre, c'est affreusement compliqué. À ce prix seulement, nous avons le calme. Mais que faire, voyons. Papa déteste conduire. Oh, ça de plus en plus, de plus en plus. Christophe pourrait peut-être nous prendre. Mais avec plaisir, à votre yacht demain 5h, voulez-vous? Ah, mais ravi, vraiment. Il est capable de le faire, l'imbécile. Oh, papa. Bon, là, ça suffit, on va s'expliquer à la maison.